Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo DIY dans laquelle j'ai décidé de customiser un tabouret tout mimi. Donc à la base je l'ai acheté chez Action, je crois que c'était 12 ou 13 euros, j'avoue que je sais plus, j'ai perdu le ticket. Très joli tabouret, authentique, assez haut sur pattes. J'ai donc dans l'idée de le rendre tout mimi. J'ai donc acheté une housse également de coussin qui va m'être utile. Ce sera donc le tabouret à poids de carreau. Petit indice, ouais, ça je vais dire. Mais il y a comme... Cette vidéo va donc pas être super longue vu qu'il n'y a qu'un élément, mais je vais prendre le temps de vous montrer les choses. Et surtout, bah écoutez, ce qui m'intéresse, je vous le demande maintenant, si ce genre de format court, création DIY, vous plaît, dites-le moi, ou est-ce que, dites-moi également si vous préférez que j'intègre des créations DIY dans mes vlogs. De toute façon, demain, je vais faire le deuxième, c'est-à-dire que je vais faire une autre création que j'intégrerai dans la vidéo de demain du vlog. Voilà, je me répète, c'est une catastrophe. Le principal, c'est que je me comprenne, moi. Ça, ce sera votre partie, ce sera à vous de bosser, de m'écrire tout ça. Sans plus tarder, parce que j'ai l'impression que je me fatigue un peu. Let's go! Alors voilà le fameux tabouret, comme je vous disais, qui est assez haut sur pattes. Et le bois, c'est vrai qu'il est très beau, j'hésitais, hein, mais bon, j'avais quand même cette idée de transformation. La housse de coussin, comme je vous disais, rose poudrée, assez fluffy quand même. Le washi tape à poids, évidemment. J'ai pris un intérieur de coussin que j'avais eu pour moins d'un euro également chez Action. La paire de ciseaux Focus, s'il te plaît. Et une agrafeuse à bois que j'ai encore jamais utilisée. Je viens donc couper hein, pour récupérer le remplissage, l'intérieur du coussin. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme matière? C'est du synthétique, je pense. Je vais donc utiliser ma housse hein, pour éviter que ça parte partout. Je vais mettre pas complètement hein, tout ce qu'il y a dans le coussin initial, justement. J'en tapisse un petit peu partout, de façon à ce que ce soit quand même assez régulier quand on va s'asseoir. Voilà, donc je répartis partout. Je coupe les étiquettes hein, qui peuvent être assez gênantes et faire du bruit. Et bah, c'est la partie où, voilà, comme je vous disais, j'essaye de bien équilibrer l'ensemble. Je pose à l'envers le tabouret et c'est parti pour le moment agrafage. C'est vrai que c'est vraiment la première fois et je dois dire que c'est hyper dur en fait. T'es obligé de t'aider du poids de ton corps parce que d'une main, franchement, ou alors c'est moi, hein, j'ai pas beaucoup de force, j'y arrivais pas. Voilà, donc en fait je fais au mieux. Une fois que j'ai terminé, bah, je regarde un petit peu et puis je rectifie un peu à droite à gauche. C'est parti pour le washi tape, rien que là. Ça rend super bien, donc le côté délicat, c'est de bien couper avec notamment le cutter pour les petites finitions. J'enlève toutes les bulles qui peuvent être au niveau du collage. Et ce qu'il va falloir vraiment faire, c'est faire quand même un ajustement avec la deuxième partie pour que ce soit quand même assez régulier, qu'il n'y ait pas trop de décalage. C'est plutôt très agréable hein, comme partie. Et voilà mon super tabouret à poids. Moi, je suis fan, j'adore. Et j'ai voulu le mettre en situation un petit peu dans n'importe quelle pièce que vous puissiez vous rendre compte. Écoutez, si vous comptez le refaire, dites-le moi, taguez-moi et ça me ferait super plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi déjà si ce petit tabouret vous a plu. Si vous l'imaginez chez vous, dans votre appartement, votre maison, votre jardin, votre château, votre... Je vous fais un énorme bisou, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, je pense que c'est un vlog.